Chers frères et sœurs, combattons pour le ciel, frères avec ce mieux, comment nous y avec Jésus? Comment nous nous passé? Comment nous passé la journée jeudi? Non, comment nous y est? Jeudi, c'est vendredi. Vendredi 19 mai 2023. Et vendredi, préparation de sabbat. Vendredi, commencement du week-end. Donc, jeudi, c'est vendredi, frère Ariel Théodore. Que bon Dieu, ben, la santé. Ben, t'y connaissance, frère, et là, je dis, pour capable réviser le son et qu'on s'avance ma vers le son que vous-même vous avez étudié au cours de cette semaine. Déjà, j'ai demandé pour mettre à cela, pour que nous sommes capables d'étudier ensemble et faire bon Dieu confiance, bon Dieu, pas quitter nous, pas abandonner nous non plus. Nos côtés, nous remercions toutes les amis qui ensemble avec nous, qui tapent étudier le son école sa base. Amis qui partagent, les amis qui permettent que chaque jour nous au moins un monde qui connecte avec chaîne, nous sentons bien. Eh bien, nous en entrons dans le son parti aujourd'hui. Pour moi, l'aurore de nouveaux jours se lève encore en ce séjour sur ton enfant, Dieu Tout-Puissant. Dès le matin, pose ta main, versant mon âme ta douce paix. Mon cœur réclame tous tes bienfaits. Je voudrais faire en ce bas-lieu tout pour te plaire, ô mon bon Dieu. Mais le péché reste caché dans mon esprit et me séduit. Vois ma faiblesse et me soutiens. Par ta tendresse, je t'appartiens. Notre Père des cieux, merci infiniment pour ce que vous avez fait pour ce que vous faites pour nous. Et pour ça, continuez à faire pour nous. Merci pour l'amour, patience, bonté, miséricorde dans la vie nous chaque matin. Nous, là, je dis à nous venir étudier parole au Seigneur. Merci parce que nous avons des amis, Seigneur, qui témoignaient que nous prions, que nous faisons de confession en Seigneur. Côté que il y a des gens qui font mal, mais il a pardonné, il a pardonné. Seigneur, merci parce que vous permettez au moins un monde qui touché par prière là, ça fait nous bien. Seigneur, nous va l'étudier, permettre que le son aille loin et en pile monde qui est en danger capable de délivrer au nom de Jésus. Amen. Semaine ça, nous avons étudié le sabbat et la fin. Le sabbat et la fin. Sabbat côté lissoti, c'est comme si nous capable de deux extrêmes, commencement et la fin. Wow, pourquoi je dis ça? Commencement. Eh bien, je suis capable de dire commencement et la fin parce que le sabbat lui-même, existence, c'est depuis la création. Depuis la création, bon Dieu fait. Et nous sommes capables de dire, et la fin lui-même, c'est jusqu'à non, le monde là fini commence à avaler. À Éphésiens 3, verset 9, c'est verset ça qui est verset de mémoire, non? Et de mettre en lumière pour tous les hommes. Comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ? Donc, c'est ça, verset à mémoriser, à te dire. Eh bien, au cours de ce maintenant, nous avons gagné un pile thème qui t'a développé, mais nous avons gagné un mot qui était fort pour nous. C'était surtout type de monde évolutionniste yo. Qui yo même yo croit que monde ça li impossible pour que nan 6 jours tout bagay ta fait. Yo douté de la puissance et de la force de Dieu que yo pa ka wè. Et malheureusement an pil moun ap suiv yo. Eh bien, pour une petite patience, nous pouvons aller rentrer en détail dans la partie ça. Mais avant, nous parler de jugement
création et responsabilité. Trois mots, jugement, création et responsabilité. Pour juger, il y a jugé à partir de qui ça? De un évangile. Pas oublier que nous t'ouais que c'est Jésus qui est notre évangile. Jugement, création. On ne peut pas oublier que Apocalypse même le dit non, 14, adorez celui qui a fait le ciel, la terre et les sources d'eau. Celui qui a fait, c'est celui qui a créé. Donc, l'imande nous pour nous adorer, créature là, eh bien, ça fait nous comprendre que nous pouvons juger à partir de devoir nous que nous pas mettre au propre. Parce que l'élifine dit adorer celui qui a fait le ciel, la terre et les sources. Ce dos lui dit car l'heure de son jugement est venue. Donc, moi m'en do pour adorer ou pas adorer, ou pas pour responsabilité ça pour adorer, qu'on y a là, je jugement arrivé ou pas commander pour me faire bac. Du tout, ou à juger parce que pas voulez comprendre. Sabbat et création qui rapport. Eh bien, c'est ça, nous te dit, depuis la création, bon Dieu t'a institué sabbat. Il travaille 6 jours et lui reposait le 7e jour. Et la Bible est claire sur ce repos. Jésus reposait le 7e jour. Il bail le sabbat. Premier bagage que nous capables comprendre, même si vous voulez faire gros collecte, pour dire chaque jour c'est jour qui bagay soit dit non bam son bagay toujours c'est jour mais toujours pas même sabbat qui signifie repos pas oublier que les jours étaient venus à partir des dieux que mon yoté qu'on adore dieu du soleil dieu de la lune étoile etc mais sabbat les même les bons dieux a fait il fait chaque jour mais quand il fait ça dans sabbat il sanctifie il repose et il bénit. Donc, si on joue tout qualificatif ça yo, qui soit fait me comprendre, l'on dit que li pas important. Et ou même qui dit que souprend dit que monde là vraiment que li créé par évolution. Chaque bon Dieu prend des milliers d'années pour lui faire tel bagaille. Et bien ça ba li même comment le créé là même. D'ailleurs, ça ba pas pour des milliers d'années. C'est un jour 24 heures lié. Levé qu'on fait c'est à terre. Eh bien Satan lui-même, il veut en pile monde dans ton prix ça. Faire mon yo connaît que monde là, c'est dans bagarre évolution ça, il trompe en pile monde. Mais moi du clair, ou pas qu'à parler de évolution pendant qu'on parle sabbat. Combien jours sabbat ça parle, combien années sabbat ça parle parce que semaine n'a pas 6 jours, il y a 7 jours. Il y a 7 jours ouvrables. Donc sabbat faut comprendre que monde l'a créé en 6 jours, les jours de 24 heures. Eh bien, il y a 3 bagages que bon Dieu t'a demandé pour nous garder pour lui dans création sabbat et la fin des temps. Dans Apocalypse 14 verset 7, il dit nous craignons bon Dieu et bien bon Dieu gloire. Dans Apocalypse 14, verset 9, il dit nous, pour ne pas adorer Bethla avec image Bethla. Il m'a dit pour nous adorer le Dieu créateur. Dans Apocalypse 14, verset 12, il te mette un gros point. Côté il dit, peuple y a ce peuple qui garde les commandements. C'est ici la persévérance des saints. Qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Donc, création lui-même, il n'est pas une création, c'est sabbat, pas sabbat, c'est la création. Parce que sabbat, c'est le 7e jour, mais que Satan lui-même, il voulait fort croire que c'est pas vrai. Et sabbat, ça, c'est le sceau de Dieu, oui. Parce que, nous avons trois parties. Il y a un destinataire, il y a un créateur et il y a une localité.
Si vous regardez et sabbat, vous après que localité a destinataire là c'est Dieu. Localité a c'est ciel avec terre. Créateur là, c'est bon Dieu. Donc sabbat ça que Satan lui-même livré faut quoi son autre bagarre là. C'est le sceau de Dieu. Pardonnez pour le monde qui va pas comprendre qu'a fait Dieu. C'est le symbole fondamental de la création. Bon Dieu fin fait toute bagaille, croup, li mari bouche toute bagaille. Li mari bouche tout yon, 2 3 4 li mari. Sabbat c'est le repos. Et yon nan bagaille moi-même, non seulement c'est repos, moun ka pleuve kon fè se a terre, même dans la nouvelle Jérusalem, ou gagner pour adorer l'Éternel parce qu'il dit à chaque sabbat et à chaque nouvelle lune, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Donc, sabbat ça, que vous-même, en pile monde, pasteur, protestant, qui a cloué sabbat, bah sabbat ça me jette, me refuse, me voit le jeter. Mes amis, elle dit ça pour moi souple. Le sabbat règne, tout commandement gagne pour passer, pour effacer. Le sabbat prêté et demeuré au siècle des siècles. Donc, le sabbat, j'en ai dit, c'est le sceau de Dieu. J'en ai dit, c'est le repos céleste. Comment on sentit ou l'offre une fois semaine au travail? Ouais, je dis à moi, on s'est soulagé. Parce que le repos a presque arrivé. On doit adorer celui qui a fait le ciel, la terre et les sous ce dos. On ne peut pas adorer celui qui a des yeux qui ne peuvent pas voir. Si la qui a une bouche qui va pas parler, si la qui a des oreilles qui va pas attendre, on doit adorer le Dieu créateur, ça qui crée toute bagaille là. Eh bien, dans ce ciel là, ange yo même yo bon gens yo fait bagaille là. Les a parlé au parler, les a pas adoré au bon Dieu, je dis quand c'est toi qui a tout créé. Sur les cieux et sur la terre, dans les cieux et sur la terre. Eh bien, nous-mêmes, nous sommes capables d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, nous indiquons tout ça pour nous indiquer le sabbat, le sceau de Dieu. Frère, ma soeur, c'est un plaisir pour petit garçon, t'as étudié avant le sabbat et la fin des temps. Et la fin. Semaine prochaine, nous avons pour nous une ville nommée Confusion. Côté que n'a bien pour nous deux systèmes opposés, le vin et la colère, en gros bagaille, mystère de Babylone la grande, un appel à l'engagement, Babylone centre de l'idolâtrie. Ah, ce sont des sujets qui sont intéressants. Donc nous bon rendez-vous à demain pour une nouvelle leçon. Que bon Dieu capable de bénir.